Merci à vous tous d'être là ce soir, alors qu'il y a tant de sollicitations à Paris. Merci à Isabelle de m'accueillir dans ce lieu. Je suis très émue d'être là, dans une synagogue, pour parler de Chalamov. Et je me demandais qu'est-ce qu'il en aurait pensé. Et peut-être que ça lui aurait plu. Donc Chalamov, qui n'est pas du tout juif, qui est, dont le père était un prêtre, et d'ailleurs c'est ce qui va aussi marquer son destin, parce que les prêtres font partie de ces catégories qui sont vouées à disparaître. Donc en tant que fils de prêtre, il subit toutes sortes de discriminations et de persécutions. Et quand il était petit, son père, à Vologda, où Chalamov a passé son enfance, l'amenait à l'église, bien sûr, puis il l'amenait devant une synagogue. Il lui disait: ça aussi c'est une maison de Dieu, voilà, et il n'y a qu'un Dieu. Et ben, c'est pas courant, hein, c'est pas courant en Russie. Donc Chalamov, voilà, il a été élevé dans cet esprit là ce qui est assez exceptionnel. Et donc, c'était quelqu'un qui considérait, par exemple, que l'antisémitisme était un des pires péchés qui puisse exister. Isabelle vient de dire un petit peu quelques mots sur Varlam Chalamov. Je vais peut-être présenter, je ne sais pas dans quelle mesure vous le connaissez, vous êtes initié à son œuvre. Je vais quand même dire quelques mots de son parcours. Et pourquoi je vais consacrer 20 ans de ma vie, enfin pas à plein temps, mais quand même. Pourquoi quand on commence à travailler sur cette œuvre, on a beaucoup, beaucoup de mal à arrêter et à passer à autre chose. C'est un grand écrivain, pas seulement du goulag, hein, mais un grand écrivain du XXe siècle, je dirais, et pas seulement russe. Et il se trouve qu'il a passé, et c'est à cela que son œuvre est en grande partie consacrée, il a passé en tout 20 ans dans les camps, d'abord 3 ans dans les camps du Nord qui n'étaient pas encore le goulag, parce que je rappelle qu'on parle, on utilise le mot goulag et moi aussi pour plus de facilité, pour désigner l'ensemble du système concentrationnaire, mais l'institution goulag, donc les camps sont créés, des camps sont créés pratiquement au lendemain de la Révolution, dès la fin de 1917, mais le goulag en tant qu'institution apparaît en 1930, né en 1930, et donc va jouer aussi un rôle économique très important dans la gestion du pays, puisque c'est au goulag que l'État stalinien confie le fonctionnement de très nombreux sites industriels. Donc le goulag est un des acteurs clés de l'industrialisation qui va être réalisé donc avec une main-d'œuvre détenue, pour le dire autrement, avec une armée d'esclaves. Et donc, Chalamov est d'abord arrêté en 1929. Il est alors tout jeune puisqu'il est né en 1907, et il est arrêté, à la différence d'autres personnes qui sont arrêtées à cette époque-là. Lui, c'est un vrai opposant à cette époque-là. La plupart des gens sont arrêtés alors qu'ils n'ont rien fait, mais lui, il a fait quelque chose, enfin quelque chose qui le rend coupable aux yeux de l'État, c'est-à-dire il diffuse un peu dans la tradition des révolutionnaires russes d'avant la Révolution. Il diffuse un document qu'on a coutume d'appeler le testament de Lénine, c'est-à-dire une lettre que Lénine a écrite à ses successeurs pour les mettre en garde contre Staline, et aussi contre Trotsky d'ailleurs. Staline en 29, hein, justement, son pouvoir est déjà consolidé. Ce document devient devient tabou, et donc sa diffusion vaut une arrestation. Chalamov est donc à ce moment-là envoyé dans les camps du Nord
qui sont une extension de l'ensemble des Solovki, sur la Vichera. Il purge sa peine. À ce moment-là, l'État soviétique est encore dans cette vaste utopie de la rééducation, hein, de la refonte. Et donc, Chalamov bénéficie des opportunités que cette refonte offre aux détenus. Il prend alors c'était encore possible pour un politique à l'époque, hein, il accepte un poste de plus ou moins de chef de chantier ou chef de travaux dans une usine de papier que Édouard Berzine, le futur patron de la Colima, met en route dans ses camps de la Vichera. Et voilà, donc il est libéré en 1932, il écrit et il commence même à publier et il travaille aussi comme journaliste dans différentes revues et journaux qui sont ce que sont les journaux soviétiques à cette époque, c'est-à-dire des organes de propagande. Et puis il est de nouveau arrêté en 1937 pour trotskisme alors qu'il s'est complètement éloigné de toute vie politique parce qu'il a été très déçu par... finalement par le mouvement d'opposition dont il faisait partie et dont les autres membres finalement se sont qui ont été arrêtés aussi se sont comportés d'une façon qui voilà enfin ont trahi un peu la cause et puis ont tous été libérés bien plus tôt donc il s'est senti voilà, il a compris qu'il avait suivi un mauvais chemin. Donc, il s'éloigne de toute activité politique et c'est là qu'il est arrêté en tant que trotskiste en 1937. Alors, en 1937, justement, il n'y avait pas besoin d'être trotskiste ou quoi que ce soit pour être arrêté. C'est la grande terreur, donc c'est la logique des quotas, c'est-à-dire chaque région, chaque ville, chaque quartier reçoit son quota d'arrestation qu'il doit remplir. Et certains chefs du NKVD locaux font du zèle, c'est-à-dire vont bien au-delà de ce qu'on leur demande. Et bien sûr, il faut, pour remplir ces quotas, il faut trouver, enfin, voilà, par quoi commencer. Eh bien, on va commencer bien sûr par des gens qui ont déjà un casier et qui ont un casier en tant que, avec des accusations politiques. Donc, Chalamov est en première ligne. Voilà en tout cas la trame hein, qui est la plus facile à suivre, en fait, qui est la plus évidente. Et en 1937, il est envoyé à la Colima avec donc une condamnation à 5 ans. Et dans son dossier pénitentiaire, le sigle KRDT, ce qui signifie activité contre-révolutionnaire trotskiste. Bon, ce qui était le pire, hein, bon, parce que les trotskistes étaient, enfin les soi-disant trotskistes, il y avait aussi des vrais, étaient voués plus ou moins à la liquidation. Et donc on les affectait généralement aux travaux les plus durs. Et les travaux les plus durs à la Colima, c'est l'extraction d'or. Parce que c'est une... Alors je ne sais pas si vous... Tout le monde voit où est la Colima. C'est une région immense, hein, 6 fois la France. Donc il faut imaginer, c'est pas qui est située à l'extrême nord-est de la Russie, donc voilà vers l'océan Pacifique, et qui est à l'époque surtout, parce qu'aujourd'hui avec le réchauffement, les températures sont un petit peu moins polaire, mais à l'époque elles atteignaient parfois 60-70 degrés au-dessus du zéro et jusqu'à moins 50 les détenus sortaient travailler. Donc c'est cette région que Solzhenitsyn a appelée le pôle de férocité du goulag et cet immense territoire est dévolu entièrement à la création d'un grand réseau industriel et concentrationnel. En fait, on ne peut pas séparer les deux, hein, parce que les camps, donc après la période des années 20 où
Le camp principal, c'était les Solovki, c'est-à-dire un monastère, un ancien monastère et une ancienne prison. Donc un petit peu un lieu, un pénitencier classique, en quelque sorte, avec des murs au milieu de la mer Blanche. Eh bien, les camps des années 30 sont très différents. Ce sont des camps mobiles qui s'aiment à travers tout le pays et qui sont créés partout où on a besoin de main-d'œuvre. Donc ce sont, et surtout dans, justement dans ce qu'on appelait les régions inhospitalières. En fait, il y en a eu partout, hein. Il y en a eu même à Moscou, il y en a eu dans les villes. Ils étaient invisibles. L'université de Moscou a été en partie construite par des détenus. Si vous avez pris le Transsibérien, sachez qu'une branche du Transsibérien a été construite par des détenus et que c'était des... voilà, on va admirer le Baïkal, mais il faut savoir que sous ces paysages absolument magnifiques se cachent aussi des lieux qui ont servi de camp. Mais la Kolyma, c'est vraiment une région qui, que le gouvernement tsariste, par exemple, n'avait jamais vraiment tenté de mettre en valeur. Enfin, il y a eu des tentatives, mais elles avaient toutes, elles n'avaient pas abouti parce qu'il fait justement trop froid. Et que, avant Staline, personne n'avait imaginé qu'on puisse travailler là toute l'année. L'été dure, enfin, le relatif été dure 2 mois. Donc en 2 mois, on ne peut pas, voilà, on ne peut rien faire. Et à partir de, au début des années 30, voilà, on se dit bah, qu'à cela ne tienne, ils vont travailler toute l'année, pas seulement les 2 mois de l'été, où d'ailleurs le sol n'a pas le temps de déjeuner parce que c'est le permafrost. Voilà donc un petit peu le contexte dans lequel se retrouve Chalamov avec bien d'autres. C'est-à-dire que c'est une région, moi j'y suis allée justement sur ces traces pour voir un peu à quoi ça ressemblait, et j'ai compris que cette région où on a poussé la population autochtone pour les besoins de l'industrie, mais il n'y avait aucune raison en fait de la mettre en valeur, de la coloniser, si ce n'est pour y installer les camps. Donc il y a un peu une sorte d'interdépendance entre les objectifs industriels dans cette région et les objectifs répressifs. Vraiment, là, c'est quelque chose qui va ensemble. Et d'ailleurs, depuis que les camps ne sont plus là, c'est une région qui est vraiment très sinistrée. Il n'y a pas trop de raison d'y rester. Elle est peuplée presque entièrement, soit de descendants de gardiens, soit de descendants de détenus, qui n'ont pas pu partir parce que c'est très loin et que ça coûtait très cher. Et ça coûte toujours très cher de rejoindre ce qu'on appelait le continent, parce que cette région est tellement éloignée et tellement hors du monde qu'elle était perçue par ceux qui s'y retrouvaient contre leur gré comme une sorte d'île ou encore de planète différente. Hein. Il y avait une chanson qui disait voilà, c'est une planète enchantée, l'hiver dure 12 mois, le reste c'est l'été. Et donc c'est là que, voilà, il semble impossible de survivre pendant 17 ans dans cette région, et Chalamov doit sa survie à une série de miracles, enfin comme les autres survivants, hein, et comme souvent aussi les survivants des camps nazis, c'est une série de miracles qui sont comme des nœuds dans son œuvre, hein, donc voilà, et je dis quelques mots sur l'œuvre. En fait, elle est composée de plusieurs... Il y a plusieurs recueils qui sont consacrés à ces différentes détentions, enfin ces deux détentions. Bon, vous regarderez sur le site des éditions Verdier. Et d'ailleurs aussi, il y a des ouvrages qui n'ont pas été repris par Verdier, qui sont chez Gallimard, comme la correspondance avec Pasternak, par exemple. Donc l'œuvre principale, c'est celle dont je suis partie, qui m'a... voilà, à laquelle j'ai consacré beaucoup de temps, ce sont les récits de la Kolyma, donc c'est son grand œuvre. C'est un recueil de 6 volumes qui sont écrits entre le début des années 50
et le début des années 70, et qui couvrent donc, voilà, qui sont des... Alors, c'est pas du tout une œuvre qui raconte de manière suivie son séjour dans les camps. Hein. Ce sont des récits brefs, ce sont comme des flashs, comme des fenêtres qui s'ouvrent, hein, sur des instants. J'aime beaucoup l'expression de Sinyavsky qui a parlé de laps de temps humain. Voilà, je trouve que ça dit très bien ce que c'est. C'est-à-dire on a chaque fois un petit épisode, voilà, un micro-épisode de la vie du camp. Raconté soit à la première personne, soit à la troisième personne, comme une petite nouvelle, mais en général, et les plus fortes sont plutôt assez brèves. Voilà, et c'est au lecteur de se débrouiller avec ces fragments, hein, ces fragments de l'expérience dans lesquels on a l'impression que voilà, il n'y a pas de jugement, en tout cas en apparence. Voilà, le narrateur ne propose pas une... Il raconte simplement une histoire avec des mots assez... voilà, il y a une sorte de contraste entre ce qui est raconté. En fait, c'est ça qui crée d'ailleurs un choc à la lecture, surtout les premières lectures. C'est le contraste entre ce qui est raconté, entre l'image, parce qu'on a une image devant ses yeux. Voilà, il procède beaucoup par... c'est très cinématographique. On voit ce qui se passe. Et donc la violence de l'image d'un côté, et puis l'apparente neutralité, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas, voilà, de la narration. Hein, c'est-à-dire que la narration n'est pas du tout, il n'y a pas de dramatisation, il n'y a rien de pathétique, c'est vraiment des mots plutôt simples, qui sont en fait très compliqués, en fait c'est complexe, hein, mais c'est complexe quand on commence à creuser. Hein. Voilà, c'est la complexité de la simplicité. Et donc cette œuvre est... alors pendant longtemps, vous avez peut-être... lu des récits qui sont parus avant l'édition publiée par Verdier en 2003. Hein, Chalamoff était déjà, il existait en langue française, avant que soit voilà, avant que soit publiée la version complète des récits de la Colima, jusqu'en 2003. Voilà, les éditions précédentes étaient des recueils composés avec des récits qu'on avait pu, voilà, qui étaient parvenus en Occident, qu'on avait pu traduire, mais ils étaient composés sans que les éditeurs connaissent le projet de Chalamoff, et donc un petit peu voilà, au gré des projets éditoriaux divers. Et c'est seulement dans les années, à la fin des années 90, donc bien après l'évaporation de l'Union soviétique, qu'est parue en russe une édition complète des récits de la Colima, composée d'après le projet de Chalamoff, par son exécutrice testamentaire qui connaissait la composition des recueils telle qu'il l'avait voulu. Voilà, donc c'est ça que l'édition de 2003 apporte par rapport aux éditions précédentes. Et donc ces recueils, en fait, sont conçus comme une sorte de divine comédie concentrationnaire, où naturellement on ne trouvera pas le paradis, mais seulement, enfin beaucoup l'enfer et un peu de purgatoire, parce qu'il y a des moments de répit. Et les moments de répit, c'est le passage à l'hôpital, ce sont ces miracles justement qui permettent à Chalamoff de survivre. C'est le passage à l'hôpital, c'est une brève
possibilité d'avoir un travail moins dur que l'or. Par exemple, à la mine. Alors nous, la mine, ça nous paraît terrible, mais en fait, par rapport au gisement aurifère, c'est manifestement beaucoup moins dur parce qu'il fait moins froid au fond d'une mine. C'est une planque temporaire, hein, parce que le détenu ne vit que, il n'a pas d'autre horizon que la journée présente, que l'aujourd'hui. Voilà, donc même une planque de quelques heures, c'est déjà ça. Et souvent, il raconte ça, il raconte ces moments de répit. Et ces moments de répit, justement, nous donnent la mesure de ce qui n'est pas le répit. Il y a aussi ce que j'appellerais des miniatures paysagères. C'est-à-dire, tout d'un coup, au milieu de ces horreurs, un texte qui s'appelle Le Pin Nain et qui est consacré à un arbuste de la Colima, qui est un arbuste un peu animal parce qu'il hiberne pendant l'hiver, donc il se couche sous la neige, enfin animal ou un peu humain aussi. Voilà, et on a donc cette espèce d'intermède paysager qui permet aussi au lecteur de reprendre son souffle. Voilà, donc c'est cette œuvre qui, lorsque j'ai commencé à la lire, m'a complètement... c'était de loin ce que j'avais jamais lu de plus fort sur le goulag, mais aussi dans l'ensemble des témoignages sur lesquels je travaillais depuis un certain temps, parce que je n'ai pas travaillé que sur le goulag, mais aussi sur la Shoah. Et voilà, et la force littéraire de ces textes m'a imposé, vraiment, s'est imposé. Mais aussi, si ce travail m'a pris tellement de temps, c'est qu'il y avait beaucoup d'énigmes, il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à comprendre. En fait, je me suis livrée à un travail d'exégèse, voilà, pendant des années, à lire, relire, et je découvrais qu'après des années de lecture, il y avait des choses qui m'avaient échappé et qui étaient tout d'un coup expliquées, ce que je n'avais pas pu comprendre avant. Alors par exemple, lorsque, j'espère, vous ouvrirez le premier récit des récits de la Colima, alors je voudrais une petite parenthèse parce que c'est quand même un engagement de lire les récits de la Colima. Enfin, je ne saurais que vous y encourager, évidemment, mais c'est quand même 1700 pages qu'on n'est pas obligé d'ailleurs de lire dans l'ordre, hein, pas du tout. On peut lire un récit, le méditer, puis revenir, on peut l'ouvrir n'importe où. Mais voilà, alors on a conçu à un moment, avec les éditions Verdier, un petit livre de poche avec 13 récits pour... une sorte d'initiation, voilà, pour pouvoir entrer dans l'œuvre. Donc je vous le signale, hein, que ça existe. Il existe une... Alors moi, je voulais surtout le faire pour les étudiants. Et j'ai constaté qu'après l'avoir lu, souvent, ils allaient acheter le gros volume. Mais voilà, donc sachez qu'il existe un petit livre de 13 récits. 13 récits qu'il n'a pas été facile de choisir, hein, ça je peux vous le dire. Parce que voilà, c'était un peu un déchirement, hein, mais que j'ai choisi justement en fonction de ce que, entre-temps, j'avais compris de la manière dont Chalamoff a construit son œuvre. Et donc, dans ce recueil, vous trouverez aussi, comme dans Le Grand, le premier récit qui ouvre l'ensemble, qui s'appelle « Sur la neige », qui est une sorte de manifeste littéraire de Chalamoff, parce que Chalamoff, et c'est ce qui explique mon titre, qui a pu vous paraître un peu énigmatique, « Pourquoi le semeur Dieu ?» Excusez-moi, je saute du coca-lane. « Pourquoi le semeur Dieu ?» Parce que c'est une citation d'un poète futuriste, Velimir Khlebnikov, dont vous pouvez trouver d'ailleurs certaines œuvres en français,
J'ai trouvé cette citation et ce poème. Alors, Chalamov était un grand lecteur de Khlebnikov. Il a été, dans sa jeunesse, il passait son temps à lire les futuristes. Donc, vous voyez, il n'a pas du tout été élevé avec Tolstoï, Dostoïevski. Enfin, si, il les a lus, bien sûr, mais là où il a été puisé son énergie vitale, si je puis dire, c'est le modernisme du début du siècle. Et donc, il lisait Khlebnikov. À l'époque où il écrivait ses récits, Khlebnikov n'était pas lu, n'était pas réédité, parce que le futurisme, bien sûr, est passé à la trappe à partir des années 30. Je trouve dans les cahiers de Chalamov cette phrase, hein, le semeur Dieu doit venir, écrite en grand caractère. Et c'est un poème, donc ce poème de Khlebnikov, c'est un poème dans lequel Thésée remonte du labyrinthe avec la tête du Minotaure et personne ne le voit. Et donc le poème se termine sur cette phrase, il faut semer des yeux, le semeur Dieu doit venir. Et pour moi, le semeur Dieu, c'était vraiment une sorte de métaphore du témoin. Du témoin qui, en l'occurrence, reste invisible pour les autres, et qui sème des yeux. Voilà. Donc, je me suis dit, le semeur Dieu, il est venu, c'est Chalamov. Voilà. D'où ce titre. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut inscrire Chalamov dans cette... Alors, on ne peut pas dire la tradition moderniste, parce que c'est plutôt anti-tradition, mais disons dans cette filiation... Hein, il y a Khlebnikov, il y a Mandelstam, il y a Pasternak. Ce sont ces auteurs-là qu'il lisait, dont il se nourrissait. Et Pasternak, il l'a connu d'ailleurs. Ça, c'était, si vous voulez, il fallait le comprendre pour aborder son œuvre, hein, pour voir qu'il ne vient pas du réalisme classique du 19e, mais que son expérience, il l'aborde avec ce bagage d'une modernité qui, en Union soviétique, n'est pas morte de sa belle mort, qui a été assassinée. Mandelstam est mort dans un camp, et d'ailleurs Chalamov met en scène sa mort dans un des récits. Khlebnikov est mort de faim, pratiquement. Et ainsi de suite, hein, c'est vraiment une génération de poètes assassinés. C'était un détour pour expliquer que ce premier récit, je ne vais pas vous en dire trop parce que j'aimerais que vous le lisiez, mais je vais quand même expliquer un peu ma démarche. Ce premier récit, donc, c'est une sorte de manifeste littéraire moderniste de Chalamov dans les années 50, où domine le réalisme socialiste, et du reste, il n'a jamais publié aucun de ses récits, sauf celui sur le pain, dans une revue soviétique. Bon, et dans ce récit, donc, qu'est-ce qu'on voit sur la neige? On voit des hommes marcher sur la neige et tracer une route. Ils tracent une route. Mais si il n'y a aucune mention ni de barbelés, ni de chiens, ni de fusils, ni de gardes, ni rien du tout. Donc, si vous ne savez pas que Chalamov était à la Kolyma dans un camp, vous ne comprenez pas ce que ces hommes-là viennent faire. C'est-à-dire, qui ils sont? Est-ce qu'ils sont des explorateurs? Est-ce que ce sont des géologues? Est-ce que ce sont des soldats? Est-ce que ce sont des détenus? Donc, on n'en sait rien. On voit simplement des hommes avancer, tracer une route. Et on comprend bien sûr que cette image, c'est l'image de la page blanche sur laquelle Chalamov va laisser une trace. Hein? Cette neige, c'est l'espace qui s'approprie et dont il fait son espace littéraire. Donc c'est une sorte de... Quand je dis que c'est un manifeste, c'est une revendication de... d'espace vital, si je puis dire, dans lequel il va créer
une nouvelle prose, quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi nouveau? Parce qu'il va décrire un état absolument nouveau de l'homme, enfin qui pense être nouveau, enfin qui pense être le premier à décrire, c'est-à-dire cet état entre la vie et la mort que connaît le détenu épuisé par le travail et la faim, hein, c'est-à-dire en russe, donc le mot qui a été, alors on l'a traduit par crevoir, le mot qui a été, qu'on trouve dans cette littérature, c'est le mot dakhadiag, c'est-à-dire c'est celui qui a atteint le fond, qui a atteint le bout. Voilà, mais ça correspond en fait aux musulmans des camps nazis. C'est exactement les mêmes symptômes, exactement le même, voilà. Donc si vous avez lu des choses sur les musulmans, vous voyez très très bien de quoi il s'agit. Voilà, et donc c'est cette dans ce petit récit qui fait une page, il revendique cette écriture nouvelle à partir de cette image d'homme qui marche dans la neige. Bon, et puis vraiment quelques années plus tard, je relis pour la énième fois un autre récit qui s'appelle Le Businessman. Et un récit un peu ironique. Enfin, il y a parfois chez Chalamoff une ironie extrêmement violente. Donc, qu'est-ce que c'est que ce businessman? C'est un garçon qui réalise une transaction extrêmement avantageuse. Donc je parle dans les... Enfin, je me mets à sa place, hein. C'est lui qui en parle comme ça, ce garçon. C'est-à-dire, il trouve de l'explosif et il s'automutile. Hein. Il fait exploser sa main droite, je crois. Et puis il embarque deux autres personnes qui veulent aussi candidats à l'automutilation. Pourquoi l'automutilation? Je pense que vous devinez, hein, c'est pour échapper aux travaux. Et donc ces deux autres personnes qui, grâce à lui, vont aussi perdre leurs mains, donne leur ration de pain. C'est ça la transaction, c'est ça le businessman. Leur ration de pain qu'il mange pendant qu'on lui fait le pansement. Donc c'est vous dire dans quel état... à quel point il est affamé. Bon, et là il y a au détour d'une phrase, hein, on trouve les mots suivants. Donc il n'était pas inquiet. Voilà, ce garçon donc qui est à l'hôpital, hein, il ne s'inquiète pas pour son avenir parce qu'il sait que ceux qui ont perdu leurs mains, on ne les envoie plus tracer des routes. C'est-à-dire qu'autrefois on les envoyait tracer des routes. Mais à ce moment-là, les gens ont commencé à se mutiler les pieds. Et donc, on a arrêté. Et c'est là que je comprends, les hommes qui traçaient la route, c'était des manchots. Et je visualise cette procession de manchots, mais il fallait lire un autre récit pour le comprendre. Donc, quand je vous parle d'exégèse, vous voyez, il faut constamment passer d'un récit à l'autre, et comprendre que Chalamoff s'auto-commente et qu'il donne des éléments de compréhension plus loin. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a des images qui peuvent rester énigmatiques, mais si on lit très attentivement, on va comprendre. Hein. Voilà, alors ça c'est un exemple. Alors pourquoi des manchots? Bon, parce que en fait, la question de la mutilation, elle parcourt tous les recueils de la Polyma. Hein, ces mutilés sont omniprésents. Et finalement, alors, je vais forcément dire quelque chose de très réducteur, parce que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. Voilà, c'est pour essayer d'expliquer toutes ces strates. Enfin, plutôt... je n'explique rien, mais j'essaie de les donner, voilà, d'ouvrir toutes ces boîtes, de les ouvrir et de tirer des fils pour une lecture plus... En fait, c'est une expérience de lecture que je livre, hein, c'est pas...
C'est pas un livre universitaire, c'est pas un livre académique. Enfin, c'est un livre universitaire en ce sens qu'il a été nourri de beaucoup de textes, hein, mais il n'est pas académique, il ne s'adresse pas forcément à des gens qui ont déjà lu Chalamov. J'espère qu'il donne envie de le lire. Mais on n'est pas obligé d'avoir lu tout Chalamov pour... Voilà, pour moi, c'était plutôt une sorte de dialogue autour de Chalamov. Et voilà, donc ce que je vais dire est certainement réducteur, mais il y a quelque chose et qu'on voit justement dès ce premier récit, qui est donc au centre de l'attention de Chalamov, c'est l'homme amputé, hein, amputé de son humanité, amputé de sa capacité de parler, c'est-à-dire qu'il parle d'un lieu qui est le lieu de la perte de soi. Et c'est ça, en fait, qui, voilà, c'est ça qui organise les récits. Évidemment, on le perçoit quand on superpose les récits. Donc c'est constamment lire Chalamov, c'est aussi le relire, et c'est aussi superposer toutes ces... essayer de se débrouiller dans toutes ces strates parce qu'il nous promène constamment d'un récit à l'autre. Parce que je vais essayer de vous présenter ma démarche, mais comme ça s'est étalé sur des années, c'est pas forcément évident. Disons que je suis partie de quelques nœuds. Premièrement, Chalamov ne décrit pas son expérience dans l'ordre. Et je dirais même qu'il l'a décrit à rebours, parce qu'il écrit d'abord les récits de la Colima, donc sur son séjour à la Colima. Ensuite, il écrit La Vichera, qui est le texte sur sa première détention. Donc vous voyez, il va à rebours. Puis il écrit un texte sur son enfance, et ça c'est un peu à part. Et puis il écrit un texte qui s'appelle, qui vient de sortir aussi, en même temps que mon livre, qui s'appelle Les souvenirs de la Colima. Alors il ne faut pas confondre les souvenirs et les récits de la Colima, ce n'est pas le même livre. Les souvenirs de la Colima étaient inédits en français, en grande partie, et donc viennent d'être traduits par Anne-Marie et Tatis Botton. Et donc lorsque Anne-Marie s'est lancée dans la traduction des souvenirs, alors les souvenirs racontent un peu la même chose que les récits de la Colima, mais d'une façon complètement différente. Premièrement, avec beaucoup plus de chronologie, et deuxièmement, vous verrez, c'est un peu, vous savez, comme sur les images pour les enfants, chercher l'erreur, ou chercher les sept erreurs, je ne sais pas, où on a deux images qui sont en apparence les mêmes, mais en fait ne sont pas les mêmes. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça, on reconnaît ce qu'on a lu dans les récits, mais c'est présenté différemment, certainement moins fictionnalisé, voilà, certainement plus, de manière plus factuelle. Et puis, dans les souvenirs, mais aussi dans les récits partout, Chalamov se demande en permanence comment écrire. C'est ça aussi qui est très intéressant dans son œuvre. C'est-à-dire que c'est un témoin qui ne cesse de dialoguer avec le lecteur pour lui demander comment je vais raconter cette histoire. Alors, voilà, ça c'est son héritage moderniste. Mais c'est aussi son interrogation la plus profonde. Et dans les souvenirs, justement, qui sont un livre tardif, il revient constamment sur la question de la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire a retenu? Comment faire le tri de tout ce que la mémoire a retenu? Est-ce que je trahis mon récit? Est-ce que je trahis la vérité du vécu lorsque je la raconte? Ça, c'est vraiment sa préoccupation principale. Donc, j'y reviens tout à l'heure. Mais voilà. Et donc, Anne-Marie me dit... j'imagine qu'il a d'abord écrit les souvenirs et ensuite les récits de la Colima. Ce qui est logique, hein, parce que on connaît le journal d'Isaac Babel et la Cavalerie Rouge, pour laquelle il s'est servi du journal comme d'un laboratoire. Et on connaît les carnets de guerre de Grossman et Vie et Destin.
Et Grossman aussi a utilisé ces journaux de guerre comme matériau, hein, pour ses œuvres ultérieures. Mais Chalamov, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on a d'abord l'œuvre, et ensuite, il en extrait ce qu'on aurait pris volontiers pour le laboratoire, pour la genèse de l'œuvre. Donc, vous voyez, il inverse. Et donc, je suis partie de là, hein, de cette apparente, enfin non, pas apparente, de ces récits à rebours. Voilà. Et puis, alors, autre chose qui m'a servi de fil conducteur, c'était qu'il se contredit. Il se contredit en permanence, parfois dans la même phrase. Mais pour vous donner un exemple, il y a un récit où il dit « Il ne pleut jamais à la Kolyma ». D'accord ? Et puis, un autre récit qui s'appelle « La pluie » et qui commence avec « Il pleuvait depuis 2 jours sans discontinuer ». Alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment... on est devant un témoignage. Donc, il est censé quand même... certains s'en sont servis, ça les arrangeait bien, pour dire, vous savez, Chalamov, il raconte n'importe quoi, il ne faut pas le croire, le goulag, ce n'était pas comme ça, il exagère. Tout ça, c'est de la fiction. Non, tout ça, ce n'est pas de la fiction. Mais qu'est-ce que je fais avec ces contradictions ? Donc, ce sont... Vous voyez, je suis partie des choses qui n'étaient pas évidentes à décortiquer. Et un jour où j'ai raconté ça, on m'a demandé, mais en fait, il pleut ou il ne pleut pas à la Kolyma ? Je me suis trouvée dans l'embarras. Est-ce qu'il pleuvait réellement ou il ne pleuvait pas ? Et après, bon, vous savez, l'esprit d'escalier, j'aurais dû dire, mais en fait, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Parce que Chalamov, il vit dans plusieurs dimensions à la fois. Et c'est ça qu'il nous raconte, en fait. Et quand il se contredit, c'est qu'il vit dans plusieurs temps. Et que ce sont ces différents temps qu'il met en scène. Avec cette interrogation constante, est-ce que j'ai le... Dans quelle langue m'adresser au lecteur ? Si je m'adresse au lecteur dans la langue du camp, il ne va rien comprendre. Parce que la langue du camp, c'est une langue, dit-il, réduite à 20 vocables, dont la moitié sont des jurons. Bon, peut-être pas 20, mais... c'est une langue, effectivement, qui s'appauvrit. Ça, tout le monde le raconte. C'est une langue qui s'appauvrit à force de ne penser qu'à manger et à dormir, à survivre. Hein. La langue, elle finit par perdre quelque chose que toute la littérature met... constamment en avant, à savoir de la conscience de sa propre incomplétude. On a tous dit à un moment, je n'ai pas de mots pour raconter ça, je n'ai pas de mots pour dire mon émotion, les mots me manquent. Et bien, dans la langue des camps, rien ne manque. On a tous les mots pour dire tout ce qu'on vit. On a les mots pour dire la soupe est froide, on a les mots pour dire la soupe est chaude, on a les mots pour dire laisse-moi ton mégot, pour dire passe-moi la pelle ou le pic, vous voyez ? Donc c'est une sorte de langue complète, c'est-à-dire qu'elle a perdu l'essentiel, à savoir la capacité de se penser et de se dire insuffisante. Voilà, et c'est ça qu'il raconte. Et donc cette langue-là, composée de tous ces mots purement, des mots de la survie, comment écrire dans cette langue-là ? En fait, le lecteur ne va rien comprendre, il va rien comprendre de la vie du camp. Mais si, dit Chalamov, si je parle dans la langue du lecteur, si je m'adresse au lecteur dans sa langue à lui, eh bien, je trahis ce que j'ai vécu. Et c'est ce hiatus qui est là en permanence, donc il est constamment en train de se demander comment
comment raconter, comment dire ça. Voilà. Et, mais alors, il associe le lecteur finalement. C'est-à-dire qu'il bouscule le lecteur en lui disant, mais voilà, mais attention, hein, c'est. Je te parle dans ta langue, mais c'est une traduction en quelque sorte. Donc, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, hein, de votre patience. Merci beaucoup.